Salut, salut la famille, j'espère que vous allez bien. Bienvenue une fois de plus sur notre chaîne préférée Chronique Afrique. Aujourd'hui, on se tape notre nouvelle information du côté du Mali. Le secrétaire général sortant, Éric Diarra, a été réélu par consensus pour un mandat de 5 ans. Il dirige le bureau de 26 membres. Convoqué par le secrétaire général sortant et supervisé par les délégués du monde désigné par le syndicat national des transports, conformément à l'article 13 des statuts de l'Union nationale des travailleurs du Mali et la lettre circulaire 004/SGBEUNTM du 31 mai 2023, cette conférence de renouvellement du bureau de la section syndicale de l'aéronautique a réuni les délégués de 5 communautés syndicaux sur 7 que compte la section. Il s'agit des comités de l'exploitation des navigations aériennes, de l'installation radioélectrique, de la météo aéronautique, de l'infrastructure génie civil et l'administration générale. Au niveau des deux autres comités, des litiges ont été constatés et seront traités comme tels selon les organisateurs. Les travaux de cette conférence de section ont été sanctionnés par la mise en place d'un bureau consensuel de 26 membres dirigé par le secrétaire général sortant Éric Diarra. Deux commissions ont été également mises en place, la commission de contrôle et la commission de discipline. Restez toujours courtois en commentaire et respectez les règles de communauté. N'hésitez pas de liker la vidéo, de la partager et surtout de vous abonner.